tous, on se retrouve, je me fais une petite beauté, oui, on se retrouve pour un haul action. Ouais, j'ai mis Mama Mouse. Donc Margot, elle a le même. Petite... Oh, j'allais mettre mes lunettes, je les avais sur ma tête, je vais les mettre ici. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un retour action. Ouais. J'y suis allée avec Margot samedi. On l'a rencontrée sur le parking en sortant de la boulangerie juste à côté. Coxy Scrap. Ouais. Avec Monsieur Coxyscrap. Donc, du coup, eh ben, je m'y attendais pas. J'étais en train d'ouvrir ma voiture pour faire entrer Margot. Et puis, coucou, je me suis retournée et je m'attendais vraiment pas à la voir ici, quoi, dans mon action. Donc, sur le coup, c'est vrai que quand vous savez, vous avez vu le visage, mais le temps que votre cerveau. Enfin, je l'ai reconnu tout de suite, hein. Ça a été une fraction de seconde, mais le temps de me dire c'est quelqu'un de la famille, ah non, c'est YouTube, et voilà. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bah, c'est qui m'appelle? Donc voilà, c'était rigolo, on a bien discuté. Bon, c'était un petit peu court parce que bah, moi je partais, je rentrais à la maison, elle allait faire ses courses, et comme j'étais avec Margot qui faisait sa grosse timide qui était cachée derrière, puis j'étais avec les gâteaux et puis mon pain, etc. Donc, on a discuté un petit 10 minutes, un quart d'heure, et puis même pas. Je pense à un petit 10 minutes. Et puis, quand c'est comme ça, on ne sait pas trop quoi se dire. Donc, on a dit, tu repasses dans la région? Ouais, moi aussi. Bon, bah, peut-être qu'un jour, on pourra se voir directement une après-midi. Voilà. Bref, ça, c'est une petite aparté. En tout cas, quelqu'un de très gentil. Et je ne la voyais pas aussi grande, parce que moi, j'étais petite. Je ne la voyais pas aussi grande. Enfin, voilà. Là, bon. Ça, c'est pas pour moi, hein, les filles. La dernière fois, Margot, on a reçu un. Non, Louise, on a reçu un avec des petites licornes au moment des fêtes de Pâques par je ne sais plus qui. Et du coup, eh ben, elle voulait un nouveau seau. Elle en a des seaux. Elle en avait un, la Reine des Neiges, qui est dans le jardin, etc. Mais comme sa sœur, elle avait eu un nouveau seau avec une licorne et moi, j'ai pas de nouveau seau. Ça, les enfants, s'il y en a une qui a l'autre à la, donc là on est rentré dans l'action. 2,29 €, c'est en plus mini. Il y a le petit cœur, il y a le petit arrosoir, la petite pelle, le petit râteau et puis le truc pour faire les châteaux. Souvent, c'est papa qui s'amuse avec, hein. Oui, mais oui, maman aussi, hein. Qui ne rejoue pas au château de sable quand il va à la plage. Hein, l'excuse des enfants, ça bronde. Bon, bref. Donc là, c'est un petit peu mélangé parce qu'il y a des choses que j'ai déjà ouvertes puisque forcément c'était samedi. Ça, on n'a pas été à la plage, donc ça va, elle ne l'a pas ouvert. Et mais il y a des choses qu'elle a pris forcément, qu'elle a déjà récupérées. Ici, j'ai pris deux petits pyjamas pour les enfants, 4,49 € le haut avec le short. C'est comme ça, c'est pas de patrouille avec Stella. Maintenant, je connais. Voilà, elle en avait déjà un comme ça. Ben, je crois que c'était celui-là qu'elle avait déjà. Mais je lui en ai repris parce que j'ai dit là pour cet été, en 4 ans, c'est parfait. Donc c'est 4-5 ans, celui-là. Mais il est nickel. Et celui-là. Voilà. Hier soir, justement, elle a dormi avec le doublon. Voilà. Donc short et t-shirt pour l'été, c'est nickel. Donc eh ben, du coup, je lui en ai repris deux. J'ai dit comme ça lui fait des rechanges parce qu'elle avait beaucoup de pantalons. Mais elle n'avait pas de short. Et Margot, elle n'aime pas être trop. Un peu comme moi, elle n'aime pas être couverte quand elle fait dodo. Donc, du coup, le short, c'est très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petits tableaux. Parce que j'ai un grand tableau aimanté pour des crayons que j'avais acheté à Action il y a très très longtemps. J'ai regardé pour en reprendre un deuxième. Et en fait, ils font maintenant avec toute la semaine écrit dessus. Le Monday, Sunday, Wednesday, Thursday, ça m'intéresse pas. Je voulais vraiment qu'il soit tout blanc comme ça. Donc là, j'en ai un grand comme ça dans le salon. Et du coup, j'ai racheté des petits crayons comme ça pour écrire sur les tableaux. Et là, il y a un petit crayon avec dedans, mais il marche pas. Hein, vaut mieux en racheter des autres. Parce que je me suis dit, si je joue avec Margot à la maîtresse, c'est ce qu'on avait fait pendant les vacances, hein. Le 1, le 2, le 3, reconnaître les chiffres, reconnaître les lettres, etc. Et ben même faire des dessins, le soleil, etc. Enfin bref.
Donc, du coup, eh ben, j'ai pris deux petites ardoises. Je dis, ça pourrait faire une petite activité de plus le mercredi avec Margot. Donc, du coup, on a pris ça. Ensuite, elle a voulu prendre ça dans le rayon enfant. Ben, j'ai dit oui. Hein. C'est plein de feuilles de couleurs. Elle en a déjà pris. Hein. Vous voyez, c'est ouvert. Elle a déjà pris pour faire des coloriages dessus, etc. Plier, découper, des paillettes. Et ça, c'était pas cher. Hein. Je ne sais même pas si j'ai le ticket. Je pense pas l'avoir pris. Ah, si, je l'ai pris. Bon, je verrai après pour vous les dire dans. Mon ticket n'est pas forcément grand. Mais il y a un truc que je me suis dit, ça doit être une nouveauté parce que je ne l'ai pas encore vu passer. C'est ça. Peut-être qu'il est déjà passé, hein. Mais je sais pas. Je le trouve juste magnifique. Bah ouais, encore un bloc de papier. Il y en avait deux. Donc, c'est ce que j'ai dit à Alexandra de Coxy Scrap. J'ai dit, j'en ai laissé un deuxième dans le rayon. Tu peux aller voir. Il est super beau. Avec des petits bambis, etc. Enfin, moi, je dis des chevreuils. Des papiers comme ça. Ici, des animaux comme ça. Je sais même pas ce que c'est. Ah, c'est un petit écureuil en plus. Dans une petite feuille qui s'en sert de barque. Ici, le papier de fond comme ça avec des feuillages. Bon, il n'y a rien de folichon sur ceux-là. Mais regardez-moi ça. Il est trop mimi avec des petits chevreuils comme ça. Trop beau. Là, pareil. Oui. Il était fait pour moi. Le petit paresseux. Le petit koala. Quand je l'ai vu, j'ai dit oui. Des feuillages. Donc, je ne sais pas si c'est un ancien. Hein. Vous me direz en commentaire si c'est un ancien ou si c'est un récent. Je n'en sais rien du tout. Je ne l'ai jamais vu passer. Là, il est trop chaud. Franchement, il est trop chaud. Pour quelqu'un justement qui veut faire une sortie au zoo, etc. Bah là, il y a vraiment tout. Et là, c'est très enfantin. On a des petites cartes même de naissance. Un petit album de naissance avec ce papier-là. Trop choupi. Là, le fond, ça fait comme du liège. J'adore. Là, des petits oiseaux. Bon, les oiseaux, on en voit un petit peu partout. Et là, on a les die-cuts. Vous voyez? C'est pas tout mimi. Donc, je vous disais, une sortie au zoo. Là, le rond en bois. Là, les koalas. Ici, il y a des. On appelle ça pas des lémuriens, c'est des petits singes et des petits guépards. Ici. Il y a les copines qui m'envoient des messages. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ici. Impressionné. Enfin, voilà quoi. Quand je l'ai vu, et là, les paresseux, la dernière page. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je prends, je prends. T'en prends un, t'en prends deux. Je dis, non, j'en prends qu'un. Je laisse pour les autres. Et ben, Coxy Scrap qui est rentré, j'ai dit, vas-y, va voir. Je sais pas si elle l'a pris, hein, mais je trouvais qu'il était pas mal. J'ai repris ça. Voilà. J'en avais pris un en rose pour Margot et un vert. Je m'en ai pris un vert pour moi. Et du coup, j'ai dit, allez, vas-y, Mélanie, reprends un rose avec des autres. Oh, c'est mignon ça. J'avais pas vu qu'il y avait tous ces petits fruits-là. Les petites cerises. Ils donnent envie. Les cerises, c'est pas encore trop. Même les fraises, hein. Vous allez me dire. Pas d'autres. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait aussi. Bref. Donc, je vais pas vous le remontrer parce que. Ah, même la rentrée scolaire, tout ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, comme quoi je l'ai pas feuilleté. C'est surtout Margot qui l'avait regardé dans le rayon, qui m'avait dit, Maman, regarde, c'est tous des autocollants. Puis en rentrant à la maison, j'ai dit, en fait, c'est pas des autocollants, Margot. Il faut mettre de la colle derrière. Donc, voilà. Donc, eh ben, puis je l'avais surtout pris pour le fraisier. Je vous l'avais montré dans la communauté. Donc voilà, ça vous l'avez déjà vu passer et repasser, repasser. J'ai pris pour le tableau ça avec un produit. Il y avait une éponge dedans, 1 euro et des brouettes, 1,99 €. Ben voilà, 1,99 €. Il y a l'éponge, la grosse éponge là en dur pour nettoyer le tableau. Il y avait un crayon noir et un crayon rouge et bleu.
Il y a même mon homme qui m'envoie un message. Je ne me suis pas passée en mode avion. Margot, ça a été à l'école. Oui, très bien. Et là, le produit pour nettoyer le tableau. Et je me suis dit, des petites astuces aussi pour les filles qui veulent nettoyer leur tampon clear. Et ben ce petit produit-là, il fait l'affaire. Voilà, parce que ça nettoie les crayons ici, machin, et ça nettoie aussi les tampons clear. C'est un petit plus. Au lieu de payer 3-4 euros le petit bidon dans les. Dans les. Sur Craftelier, par exemple. Ben là, c'est pareil, c'est de l'eau avec un petit peu de produit et ça nettoie vos tampons. Ensuite, Margot, elle a pris ça. Alors, ça, c'est pas du tout pour moi parce que c'est pas du tout mes couleurs. C'est très enfantin. Là, elle a pris du bleu avec du rose, hein, des strass, des paillettes. Donc, elle a pris ça. Elle a pris ça aussi dans les tons machin. Et quand j'ai fouillé dans le truc, j'ai dit, oh, regarde, il y en a des roses aussi. Donc, si tu veux prendre les roses, prends-les. Elle m'a dit, oh, c'est trop gentil, maman. Bah oui. Donc, du coup, elle a pris ça. Voilà, les trois comme ça. Je dis, pour le prix, franchement, pourquoi s'en priver? Les strass, est-ce que je vais trouver les strass? 74 centimes. Ah, oh, ça va. Et puis, ça l'occupe. Je peux vous dire que ça l'occupe. Ensuite, j'ai pris de la colle. Là, elle était à 79 centimes. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Deux comme ça. Voilà. Et cette fois-ci, ouais, j'en ai pris deux. Comme ça. Tac-glu. Tac-glu. Voilà. Le même prix. Pareil. Parce que je me suis rendu compte que dans les petits bidons comme ça, eh ben, je préférais mettre de la colle blanche. Que de la colle transparente parce que ça sinon ça se bouche tout le temps et quand je vous dis tout le temps tout le temps tout le temps vous avez beau remettre la petite épingle ça sortira jamais une fois que le truc à l'intérieur il est sec c'est sec et ça sort jamais après ça fait tous des petits fils de colle vraiment pas beaux sur vos créations et c'est là du coup maintenant je me suis dit je vais prendre celle-là. C'est vraiment pour coller des petits sentiments ou des petites étiquettes. Avec ça, j'en mets très très peu parce que au début, je me servais que de celle-là en scrap. Et je trouvais qu'elle gondolait beaucoup. Là, ça fait, on va dire, plus de 5 ans que je ne l'ai pas pris. Donc, je vais la retester. Je vais bien voir ce que ça donne. Si ça a un petit peu, on va dire, changé avec le temps. Peut-être que avant, j'en mettais beaucoup trop. Enfin, je ne sais pas. Mais je trouve que ça. Ça gonfle, mais bon, pour les petits sentiments. Donc, du coup, bah, j'ai refait un petit peu de stock. En sachant que j'ai celle-là, hein, c'est vraiment ma chouchou. Mais je me dis, bah, ça, du dépannage, 79 centimes, que ce soit avec Margot, que ce soit. Enfin, voilà, je vais tout mettre là devant, c'est pas grave, je remettrai après. Ensuite, j'ai pris ça. Des stickers. Margot m'a dit, oh, regarde, maman, ils sont beaux, les papillons. Je les avais déjà vus. Et j'avais dit non, j'en prends pas. Je ne veux pas les prendre. Il me semble que j'en avais pris 4. Non, moi j'en ai pris 3. Ah non, peut-être que Margot, elle en a pris. Non, il me semble qu'elle a fait quelque chose avec. Bon, bref. Comme les petites fleurs, elle fait. Je les ai mis dans sa corbeille ici. Et elle fait du collage. Je vous ai déjà montré aussi en short qu'elle faisait du petit collage avec. Bref. Et là, elle m'a dit, regardez, maman, les petits papillons, ils sont super jolis. Alors, moi, je n'aimais pas trop. Je trouvais qu'ils étaient en 3D, machin. Je me suis dit, je ne vais jamais m'en servir, Margot. Elle m'a dit, moi, j'aime bien, j'aime bien. Et en fait, après, je me suis dit, tiens, ils sont en 3D, mais je peux peut-être les bidouiller. Les couper, les. Voilà. Les retravailler. Alors forcément, il y a des roses, des jaunes ici que je me servirai jamais. Je veux dire, on va dire que je reste dans les classiques, dans les verts comme ça ici. Dès que ça part un petit peu dans les couleurs un petit peu trop flashy, bah, ça me va pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me dis, Margot, elle s'en servira. Celui-là, ça va. Celui-là, bon, celui-là encore moins. Mais vraiment, celui-là peut-être un petit peu trop gros. Bah bref. On a compris Mélanie. Donc j'ai dit bon Margot, elle va s'amuser. Je pense que ça a été plus le l'action Margot hein, que maman.
à part le bloc de papier, je vous dis, après le reste, je me suis fait racketter. Mais en même temps, c'est de ma faute. Je vais avec Margot. Si j'ai pas envie d'acheter, je l'emmène pas. Donc voilà. Ici, on a repris des tubes comme ça. Bon, il y en avait de la marque Action, hein, je sais plus, c'est de la, je sais plus, de la marque. Bref. Mais elle colle pas. Les tubes, c'est de la. Et j'ai vu cela. Donc cela, je sais pas ce que ça donne. C'est de la bonne marque normalement. Sprint, 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 ouais. Donc du coup, eh ben, ah, j'avais même pas vu qu'ils étaient orange et vert. Ah ben, ça va encore plus l'amuser. Donc du coup, voilà. Parce que là, je lui avais donné celui-là la dernière fois, qui est à moi, que j'avais eu. Donc il est blanc, mais ben, elle a tendance à l'écraser. À l'écraser, à pas prendre soin, on va dire, des affaires. Et il y a celui-là aussi, je me trompe toujours de côté, le bleu, que j'utilise aussi des fois pour faire du collage. Il colle super bien, mais du coup, ça me dérangeait un petit peu de lui donner de la bonne, des bons tubes de colle. Donc, eh ben, du coup, j'étais bien contente de lui trouver ça. Voilà. Et pour les tableaux, j'ai pris des couleurs quand même. J'ai pris du vert, du bleu, du rouge, du noir. Donc, on est équipé. Et je lui ai repris des crayons gras. Parce que Margot, elle aime bien. Je sais plus qui lui avait fait les petits crayons de couleur assez gros là. Et elle aime bien. Crayon feutre, j'essaye d'éviter. Parce que de toute façon, elle ne remet pas les bouchons. Systématiquement. Et ça sèche. Hein. Il n'y a plus de crayon feutre. Donc, du coup, j'ai dit crayon gras. Là, il y a toutes les couleurs. Il y a 30 couleurs. Il y a de quoi s'amuser. Et voilà. Donc là, elle a ressorti ses papiers, les crayons gras. Ça, ceux-là, elle ne les a pas encore utilisés. Mais elle a utilisé les petits crayons de bois. Elle était contente. Voilà. Et j'ai repris ouais. Alors, je n'ai pas tout mangé hein, de la dernière fois, je vous rassure. Je suis pas m'empiffrer. Non, surtout que bon, j'ai commencé. Et on fait attention à sa ligne. Hein. Comme il dit le médecin, vous avez déjà vu des vieux gros, gros, gros? Non? Ben, c'est normal. Il me dit toujours les problèmes de santé. Et ben, bref, il ne veut pas faire peur à tous ceux qui. Enfin, voilà. Le médecin il me dit toujours des vieux gros, 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 gros. Ça n'existe pas. Donc attention! Quand on vieillit, c'est vrai, il faut toujours faire un petit peu attention à sa santé. Parce que les problèmes, les diables, les cholestérol, les machins, et ceci, et cela. Donc là, du coup, j'ai repris ça à la caisse, en sachant que des fois, j'en grignote de temps en temps, pas tous les jours. J'ai encore le paquet que j'ai acheté, c'était quand? Il y a une semaine? Ouais, regarde, attendez. Il y a une semaine, vous voyez, je ne m'étonne pas. L'autre paquet, il est là. Et j'en ai encore jusqu'ici. Voilà. Donc là, plus d'une semaine. Oui. Comme quoi, je suis pas. Et puis il y a Fred aussi qui picore dedans. On n'est pas des gros mangeurs, mais des fois, un petit plaisir comme ça pique. C'est pas mal. Ça, c'était devant les caisses. Et du coup, comme j'ai vu qu'elle était encore en promo, des 2,29 € le paquet. Je crois. 1,99 €. Bref. Bref. Donc, du coup, si je reprends bien, le pyjama, c'est ça, 4,99 €. Donc, ça fait 5 euros le pyjama. Ça va. Le bloc de papier, il est à 1,69 €. Oh, tiens, j'ai l'impression que ça a aussi baissé, ça. 1,69 € le bloc de papier. Ah, si, vous voyez, ça a baissé. Hein. Si, si. Les craies pour le tableau. 0,99 centimes. Les crayons Jumbo, ouais, c'est ça, 89 centimes. Les strass autocollants, 74 centimes. Les autocollants feutrine, ah oui, 79 centimes. Elle a pris toutes des petites étoiles. Toutes des petites étoiles. Vous avez dans le rayon enfant, il y a toutes des petites étoiles en feutrine avec un côté collant à retirer la petite pellicule. Alors ça en met partout. Eh ben, elle en a collé un peu partout. Ah ben, elle m'a peut-être fait. Non, elle m'a fait un dessin là. Elle m'a fait ça. Elle me met à chaque fois sur mon bureau. Elle a fait un petit carnet avec des fleurs.
Moi, j'en ai fait un aussi. Ah bah, elle est là, l'éponge. Ouais, je l'avais récupérée, l'éponge de tableau. Avec le crayon noir. Ben, c'était là. Je vais le remettre dans la boîte. Parce qu'on a fait du tableau hier soir. On a révisé les chiffres et les lettres avant la rentrée des classes. J'ai dit comme ça, si la maîtresse, elle dit qu'on récite l'alphabet, eh ben, tu seras à le rechanter. Enfin, bref. La mère au taquet. Bref, bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Les feutres de tableau à 1,49 €. La colle, c'est ça, 79 centimes. Ah non, la taquiglu, elle est toujours à 99 centimes, celle-ci. Elle n'est pas à 79. Il n'y a que celle-ci, 79. Celle-ci, par contre, elle sent très, très fort. Quand vous utilisez de la colle, vous le savez dans votre atelier. En même temps, celle-là, c'est pareil. Elle sent super fort aussi. C'est des bonnes colles. Et nickel. Voilà, donc bah, du coup, j'en ai repris deux. Pas besoin d'en prendre 50 non plus. Puis voilà. Donc là, du coup, parce qu'après, ça fait quand même 79 centimes le bidon. Alors, par. Bon, non, pas dépenser. Oh, t'as acheté un bout de viande? Enfin voilà. Bon, allez. J'arrête mes bêtises. C'est tout. Les autocollants, les fleurs papillons, 74 centimes. Ça va. Donc voilà, ça a été un haul. Margot. Oui, je pense que il n'y a que la colle pour moi et le bloc de papier. Après, bon, bah, les stickers, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns que je vais m'en servir. Mais. Ah oui, il y a des papillons aussi dedans. Ah oui, il y a des papillons aussi dedans. Oui, il y a des. Peut-être que je l'avais déjà vu, mais je ne me rappelais plus. Il y a aussi des petits papillons. Donc, bon. À voir. Il y a quand même pas mal de. Ah! Je viens de voir un truc là. Je ne peux plus me les voir. Il y a des flammes en rose. Ah non, je ne peux plus. Je peux plus, je peux plus. Bref. Ah, il y en a même un là en bas. Bref. Bon. Allez. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ce n'était pas un haul folichon. Mais comme ça, au début, je devais le faire avec Margot hier. Ouais, ça y est, la fille qui n'est pas partie. Je devais le faire avec Margot hier. Et puis, tout compte fait, on a été dans le jardin. On a profité, etc., du dernier jour. On a pris notre bain ensemble. On s'est pomponné. On s'est lavé les cheveux. Tout ça, on a vraiment profité, activité, etc., toutes les deux. Et du coup, bah, je n'ai pas fait de vidéo avec elle. Parce qu'on était bien énervés. On a joué au ballon. On a joué au loup dehors. Ouais. Donc, ouais. Après, c'était le moment détente au soir. Et puis voilà. Bon, bref. Allez, j'arrête de parler. Je vais ranger tout ça. Je vais faire caisse. Maintenant, c'est ça. J'ai une caisse pour Margot pour les activités. J'ai tout rangé. D'ailleurs, j'ai rangé mon atelier. Je ne sais pas si vous en êtes un petit peu rendu compte. De toute façon, le rangement, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de toujours. On range toujours. Je me suis fait aussi le petit meuble ici que j'ai repeint en rose. J'ai mis des petites poignées. Ça, c'était à mon père. Il était couleur marron. Et je l'ai repeint. Donc, il a abîmé un petit peu sur le côté. J'avais essayé de mettre de la pâte à bois. Ça n'a pas tenu. Donc, ça s'est un petit peu effrité. C'est normal, la pâte à bois, elle était. Donc, eh ben, du coup, j'ai dit, c'est pas grave. Il a un petit peu abîmé son côté. C'est pas dérangeant. Et puis, ben, j'ai commencé un petit peu à ranger par-ci, par-là, mon atelier. Bref. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous trouverez aussi votre petit bonheur dans vos actions. Surtout le bloc de papier, il est pas mal. Je sens qu'il y en a qui vont courir très, très vite. Parce que c'est vrai que ben, là, il est plutôt joli. Mais après, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est une nouveauté ou si. Mais j'ai jamais vu. Donc, bon. On verra bien. Hein. Il n'y a pas de première, il n'y a pas de dernière. On s'en fiche. On est là pour partager dans le bonheur. Ouais. Bon, allez, sur ce, gros bisous et à bientôt. Bisous, bisous.